Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui Diamond Painting, j'ai continué mon DP anglais, voilà, ça avance tout doucement, mais j'avance à la fin de la troisième ligne là aujourd'hui, donc c'est toujours, ça va, toujours pareil. Bon, je parle plus des perles noires, hein, ça je... C'est pas la peine. là, je suis en train de regarder ma pièce. C'est une horreur. C'est le boxon complet. Je vous montre. Voilà, j'en ai partout. Ah, attendez, j'ai une boîte de tissu qui me tombe dessus. Hop, on va la mettre par terre. Voilà. Vous voyez, j'ai même plus mon tableau avec mes dies qui sont là. Alors, il y en a vraiment partout, partout, partout. Il faut que je range tout. Je vous explique pourquoi il y a un tel bordel. Hier, on a eu un ouvrier qui est venu à la maison. Donc, moi, j'habite dans une maison, mais chez un bailleur social. Voilà, c'est les anciennes maisons des mines. Et là, ils ont décidé, enfin c'est une bonne décision, c'est très bien, parce que c'est des anciennes maisons, hein, ça, je ne sais plus quelle année elles sont, mais enfin elles sont très très vieilles ces maisons. Mais ils ont décidé de refaire déjà alors toutes les toitures de toute la rue, bon, puisque nous c'est toute une ligne hein, de maisons, elles sont toutes pareilles, donc ils vont refaire toutes les toitures entièrement. Et ils vont nous refaire toutes nos façades, donc pareil, les façades de toute la rue et nos façades dans les cours. Voilà, donc ça va être un beau bordel, bien, la poussière, tout, ça va être super. Mais le souci que j'ai, il fallait qu'il monte au grenier. Moi, la porte qui est là, donc je viens de vous montrer, c'est une porte qui va au grenier. Nous on n'y va jamais, depuis qu'on habite là, on n'est jamais monté dans le grenier, parce que bon, il n'est pas tellement accessible. Si vous voulez, il y a l'escalier et puis il y a une planche, enfin il y a le plancher qui continue au-dessus de l'escalier, c'est vraiment pas pratique. Donc nous on ne s'est jamais servi du grenier, on n'y est jamais monté, mais alors vraiment pas une seule fois. Mais lui avait besoin de voir le grenier pour, à cause de la toiture justement, et de faire des prélèvements pour la toiture et puis aussi pour l'amiante, tout ça, voir s'il y a... Mais bon, je ne pense pas qu'il y ait de l'amiante. Mais lui avait donc besoin d'avoir accès, mais moi, bon, moi tout était bloqué. Et je lui ai dit, bon, moi, il y a mes meubles. Mes meubles, je ne les bouge pas. Donc, mon bureau, mes deux bureaux. Donc, j'ai dû bouger tous mes cartons, mes boîtes à couture, mon tableau avec tous mes dies et tout. Donc, là, maintenant, tout est en... C'est le boxon. Tout est remis, là, à droite, à gauche. Je n'avais pas le courage aujourd'hui de le refaire. Je ferai ça dans la semaine. En plus, du coup, il faut que je relave tout le carrelage. Enfin, le carrelage, le lino. Parce que comme il est monté dans le grenier, c'est extrêmement poussiéreux là-haut. J'ai toutes les traces dans mon escalier partout du monsieur. Donc, il faut que je relave tout. Voilà. Et en plus, j'aime bien parce qu'il m'a dit, il a dit à mon mari, donc quand il est monté, bon, pour faire ses prélèvements, enfin je ne sais pas quoi, bon, il s'est mis un genou à terre et le plancher a fait un trou. Le plancher est pourri au grenier, donc tant mieux que je n'y vais pas, parce que comme ça au moins il n'y a pas de catastrophe. Bon, bah, par contre ça, je vais peut-être le signaler que le plancher est pourri, mais bon, je sais qu'ils viendront pas le réparer, mais bon, je préfère le signaler quand même. Donc là on va avoir des travaux, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont commencer, puisque là il vient seulement de faire les prélèvements pour l'amiante. Je pense qu'ils vont commencer ça au bon temps. Alors on doit nous changer nos portes d'entrée normalement aussi. C'est pas du luxe, tant mieux. Parce que
nous on a encore des portes en bois aussi, et puis bon, quand il pleut, l'eau passe en dessous, donc ce ne sera pas du luxe quand on change nos portes. Et ils vont sur les murs, si vous voulez. Bon, nous c'est des murs de briques rouges, donc on est dans le nord, hein, donc c'est des briques rouges, mais en bas il y a le soubassement du mur, c'est cimenté, et puis il y a de la peinture. Donc ça, ils vont faire tout sauter, ils vont tout retirer et ils vont enlever tous les joints des briques et ils vont tout nettoyer et tout refaire les joints de toutes les briques, réparer ce qui est à réparer, bien sûr. Et ils vont refaire les briques, mais jusqu'en bas. On n'aura plus de soubassement en ciment. Ils veulent refaire des façades 100% typiques du Nord. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça va nous faire de la belle poussière, tout ça. Mais bon, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont commencer. Et bon, et puis le toit, de toute façon, je pense qu'ils vont le faire au beau temps parce que démonter, mettre à nu les toits et puis les refaire, ils vont pas faire ça quand il fait mauvais, hein. Donc voilà, mais bon, tant mieux. Bon, j'espère qu'ils vont pas augmenter le loyer par contre. Parce que là, je serais pas trop d'accord. Puis bon, dans la cour aussi, ils vont refaire les façades. Bon, pourtant la façade de la cour, elle ne fait a été des. Si vous voulez, nous, on a la maison qui a l'année des. Qui fait partie du moment des mines, voilà, donc qui est très vieille. Et après, ils ont reconstruit, donc ça c'est plus récent, ils ont reconstruit un petit morceau où là il y a maintenant notre cuisine, la salle de bain, parce qu'avant il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de salle de bain ni rien. Moi, j'ai vécu dans une maison ici, sans salle de bain pendant plusieurs années. Il n'y avait pas de salle de bain. C'était pratique. Mais donc, ça, cette partie-là est plus récente. Mais ils vont quand même refaire les façades. Bon. Et normalement, ils vont nous refaire aussi. On a une. Bon, j'appelle ça une cabane. C'est tout en ciment. Dans la cour, hein, où là où on peut entreposer, vous savez, notre matériel de jardin, tout ça. Mais c'est des plaques de ciment, c'est fait avec des plaques de ciment. Alors là, par contre, il a fait aussi des prélèvements et la toiture est en. Là, je commence à avoir des fuites d'ailleurs. Comment on appelle ça? C'est comme des. Vous savez, c'est des tôles, mais. Pas en plastique ni rien, c'est en ciment, mais là-dedans il y a de l'amiante. Donc je pense que ça, ils vont nous le mettre, ils vont tout nous démonter et tout nous refaire. Donc bonjour. Bon, on verra, je vous en reparlerai, je vous ferai des photos à un moment venu ou des vidéos quand ce sera le moment pour qu'on rigole un peu, hein. Mais bon. C'est un bien, enfin, c'est un mal pour un bien, on va dire. Donc là, pour l'instant, maintenant, il faut que je range tout dans mon atelier parce que, bon, ben, hier, je n'avais pas le choix. Il fallait qu'il monte dans le grenier, ce monsieur, pour voir comment ça se passait là-haut. Mais enfin, bon, moi, je ne sais toujours pas comment ça se passe là-haut, hein. Voilà! Bon, c'était mon petit blabla du jour. sinon, voilà, donc aujourd'hui j'ai fait un petit peu mon DP. J'ai fait un carré. Ouais, un carré. J'ai pas avancé plus. Puis de toute façon, j'ai pas trop le moral non plus. Parce que bon, même hier, je n'ai pas fait de vidéo. Hier, vous avez vu. J'avais pas trop le moral. Parce que mon chouchou a été faire des examens médicaux hier. Et puis, ben. C'était pas top. Donc j'avais pas le cœur à faire une vidéo hier. Voilà. Je sais plus ce que le médecin. C'est un drôle de nom, ce que le médecin lui a dit. Mais il faut surveiller de très près parce que alors c'est un truc qui se trouve là au niveau de l'estomac. Et si vous voulez, ça fait comme.
comme un trou. Et le truc qu'il a maintenant, malheureusement, si c'est pas bien soigné, et puis si ça éclate, ben, il n'y a pas de retour. Voilà, c'est mortel. Voilà, il n'y a pas d'autre. C'est ça. Mais ça lui a dit comme ça. Donc là, bah, du coup, on est tous les deux un petit peu débousés à cause de ça. Et là, il va revoir le médecin traitant, là, dès qu'il a reçu la lettre du spécialiste. Et puis, on va voir. Et il a obligation de faire régime. Alors ça, par contre, ça m'arrange. Parce que moi, j'ai besoin de refaire régime. Parce que certains d'entre vous le savent, j'avais déjà fait régime il y a l'année dernière. Ou non, ça fait déjà 2 ans. J'avais perdu beaucoup, beaucoup de poids. Et tout mon poids est revenu. Avec quelques kilos en plus, hein, bien sûr. Et du coup, il faut que je refais régime. Et comme lui a l'obligation de faire, comme Chouchou a besoin de faire régime, je dis bon, bah allez, on va s'y mettre à deux, ce sera mieux. Donc là, on va faire attention à deux. Voilà. Et puis même, ça l'encouragera mieux que moi aussi, je m'y mette avec lui. Voilà. Donc là, hier, le moral n'était pas là. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo. Puis bon, hier j'ai rien fait, vraiment rien de spécial hier. Donc voilà. Bon, je sais que vous m'en voudrez pas que vous n'ayez pas eu de vidéo. Donc voilà. Bon, moi je vois mon spécialiste le 3 mars par contre. Mais bon, moi c'est le pneumologue. Je vais me faire engueuler. Mais bon, ça c'est rien. J'ai l'habitude. Mais bon, on verra bien ce qui va me dire. Mais de toute façon, je sais que je vais me faire engueuler, moi, chez mon pneumologue. Donc, bon, ça fait rien. Allez, je vais vous faire des gros bisous, tout plein. Et ben, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Et maintenant, je vous souhaite un bon visionnage pour la suite de la vidéo. Et je vous fais plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bon visionnage.
Thank you.